Alors, Philipson, où en êtes-vous sur le dossier des fakes qui pullulent sur le net ? Vouloir étendre un univers par le biais de créations de fans, et notamment via le photomontage, est un phénomène logique et compréhensible. Une déclinaison d'autant plus évidente à l'heure de la démocratisation de ces outils qui permettent à n'importe qui de créer quelque chose de convaincant et de le partager à tout vent. Mais tant que ces travaux de fans sont signalés comme tels, il n'y a aucun problème. Bien au contraire. L'ennui, c'est que le fonctionnement des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, et de manière plus générale d'Internet, a donné un effet de loupe à certaines créations, les diffusant ad nauseam et, plus grave, les reprenant comme de vraies photographies. Et ce n'est plus possible. Quand on voit qu'une poignée de ces montages trompe la vigilance d'autant de personnes, sont repris sur des sites professionnels et, dans le pire des cas, sont publiés, on se dit qu'il est temps d'attaquer le mal à la racine. Pour commencer, on peut dire que les exemples les plus récurrents concernent presque exclusivement Diana Rigg. C'est logique, c'est la personnalité la plus connue, la plus aimée et la plus fantasmée du grand public, et celle pour qui le phénomène des fakes a le plus de chances de fonctionner. Linda Thorson bénéficie également de nombreux photomontages, mais ceux-ci sont généralement partagés entre les fans de Tara King et ne sont pas perçus pour autre chose que ce qu'ils sont. On est ainsi bien loin du phénomène qui entoure Diana Rigg. Et pourtant, il suffirait d'identifier une poignée d'images comme étant des créations de fans pour que le problème soit réglé. Sortez vos loupes, l'heure est venue de passer aux travaux pratiques. Et maintenant, messieurs, à votre tour. Mais afin que vous soyez dans le bon état d'esprit, nous allons d'abord nous livrer à une étude d'identification de l'ennemi. Messieurs, rapprochez-vous et accordez-moi toute votre attention. Le couple Steedpeel pour commencer. Baiser langoureux pris au vif entre deux scènes ? Pas du tout. Ici, c'est un assemblage du fameux baiser de Qui suis-je et d'un plan piqué aux cybernautes, afin de nourrir la curiosité des fans les plus naïfs. Regardez bien la délimitation des cheveux de Madame Pell, et vous verrez de quelle façon se construit cette image faussée. Si vous cherchez une Madame Pell seule, dans une image aux accents érotiques, vous pouvez vous rabattre sur cette pin-up de Playboy, hybridée avec des photos promotionnelles de Diana Rigg. Ici, c'est la liaison entre la tête et le corps, ou la morphologie du modèle, qui trahissent le photomontage, même si, pour être honnête, le coup du chapeau blond est plutôt bien vu. Suivant. Dans une version aussi aguicheuse mais en couleur, on a cette femme qui ouvre généreusement sa chemise, à qui on a ajouté la tête de Mrs. Peel dans la dynamo vivante. Les cheveux, comme souvent, trahissent le raccord, c'est encore plus visible quand on met les images côte à côte. Pour ceux qui veulent une Mrs. Peel plus kinky, il y a également moult montages fétichistes du personnage. Celui-ci s'est imposé comme une traînée de poudre, alors que le ligotage n'est absolument pas tiré de la série. Ici, seule la tête de Diana est vraie, puisqu'elle provient d'une image promotionnelle d'au service secret de Sa Majesté. Mais surtout, ce sont ces trois figures infernales qui envahissent toutes les galeries photos, même les plus respectables. Pour le visage de Diana, c'est un mélange de la promo de Bon Baiser de Vénus et celle du téléfilm Married Alive. Quant au corps, aucun n'appartient à la gracieuse Mrs. Peel. Tout provient de ces mannequins portant des tenues pop dans le style des 60s. Il est par ailleurs courant de réaliser des montages à partir de la série pour vendre des costumes sur Internet. Shame, shame, shame. Alors soyez vigilants. Si la plupart des photomontages sont réalisés sans aucune pensée malveillante, leur diffusion à outrance et leur utilisation par des gens peu recommandables peuvent avoir des répercussions dommageables. Involontairement ou non, on tente d'abuser du vous via mensonges et fabrication visuelle. Et comme on ne peut rien faire face à une telle hydre, c'est à vous d'exercer votre œil et de reconnaître la manipulation. Aussi, n'hésitez pas à partager ce rapport de mission autour de vous, en particulier si vous êtes témoin d'une contagion involontaire de fausses images. Je suis sûr qu'avec un peu de persévérance, il sera bientôt possible de distinguer aux yeux de tous les duplicata. Vous la trouvez jolie ?
elle n'a pas votre charme. Joli travail, Philipson. Mais les festivités ne sont pas terminées. Vous repartez immédiatement sur le terrain. Le dossier des mini-killers vous attend.